Salut matelot, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Aujourd'hui, on va déguster une petite bière, la Brunehaut. C'est une triple organique sans gluten avec refermentation en bouteille qui titrera. À 8%. Alors, une belle petite mousse, une couleur un peu orangée, pas très blanc. Au nez, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais montrer ça. Au nez, on a quelques petites notes citronnées, comme ça, d'agrumes. On a quand même un peu le côté alcool qui ressort pas mal. On va voir la première gorgée. On a ce côté un peu. La mousse est agréable et elle est assez effervescente, même un petit peu trop pour moi. Ça pétille un petit peu trop pour moi. On a ce côté un peu tourbé. Ouais, ce côté un peu tourbé, foin. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces saveurs-là dans la bière. En plus, le côté alcool est quand même assez présent. Vous allez me dire, c'est une triple. Mais ouais. Donc, on reste là-dessus. C'est pas trop amer. Enfin, on a ce côté amer, mais qui est équilibré avec le côté tourbé et l'alcool, donc l'amertume ressort pas trop en tant que telle. Bon, c'est pas mon produit préféré, je lui mettrais un petit 7. Voilà, elle est pas mauvaise, c'est quand même bien équilibré, mais voilà, c'est vraiment une question de choix personnel. Et moi, c'est pas le type de bière que je raffole. Mais enfin bon, par rapport à ça, si vous aimez ces critères-là, je pense que ça pourrait vous convenir. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles dégustations. Ciao, ciao, à plus!